my god. Mais on dirait bien que il y a un beau gosse. Voilà famille, bon, aujourd'hui je vais vous présenter un gars, il s'appelle Steven. C'est un vieux, hein. Il est musclé. Cet homme. Donc on va bien s'amuser, on est au Playel aujourd'hui. Voilà, pour une nouvelle vidéo. Donc bon, ça va être cool. Et aujourd'hui on essaie que des trucs. On va essayer des nouveaux trucs parce que il faut essayer des choses dans la vie. Bon allez. Et après. Quel beau gosse. Moi je veux voir. Aïe 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 aïe. Monsieur, on est venu s'entraîner. On est venu envoyer des textos à des meufs. Ouais, les Snapchat. Tu fais quoi? Non mais dis-moi. Salopard. Oui. Allez, va sauter là. Voilà, on bosse le salto arrière, monsieur. Pendant cette vidéo, je vais vous épargner cette musique de sauvage qu'il y avait dans cette salle que je n'ai pas du tout appréciée. Donc, je vous mets un petit extrait tout de suite. Voilà, c'est pour cela que je vais vous mettre une musique assez calme, un petit c'est douce pour quand même adoucir mes oreilles et pour que vous passiez un bon petit moment à regarder cette petite vidéo YouTube. Certes, qui ne me fait pas plaisir vu ma blessure, mais bon, bon visionnage et on se voit en commentaire. J'ai vu le jour à Yaoundé, du Dibango, du Césaire, Camerounais, Martiniquais. Avoir du talent ça paye pas, pas plus que des tailles et des quêtes là. Donc ma passion devient mon business, et j'avance en disant maman t'inquiète pas. C'est la chaise musicale, pour sa place faut avoir la vista. Je n'encage aucun match amical, installe la vista, pour moi gagner c'est vital. J'ai sorti la guitare, les bloqués se disent que j'ai chant, méchant, blessant. J'suis froid comme descente en décembre, j'tire la langue, j'fais des signes indécents. Énervé comme à Kinshasa, à Lobby, à Lingala. Hey, chelou gamin, mais quand j'échappe comme à Guada, tu pourras jamais dire awa. Hey, Luga Koba, elle a séché du Niagara. Elle va s'y mettre toute la noche. Anana, c'est Rome, Havana, j'veux les plages de Copacabana. Que les gens nous mettent, j'ai quitté l'école. Pour faire mes armes dans les rues de l'Essonne. À la recherche de folles et de sommes. À la recherche de folles et de sommes. Vida local, le barrio veut mi corazón. Il veut mi corazón. Como señor Django, 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 Django. Como, como señor Django, 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 Django. Como señor Django, 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 Django. Como, como señor Django, 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 Django. J'ai capté la tactique, c'est ce que m'a dit Didé Anakin. 3h du mat sur le parking, mélange foncé dans cristalline. L'écho aiguisé, comment faire des aides. Qui joue au poker, lourdons les paupières. Quand il s'agit de monnaie, on n'a jamais sommeil. Django automatique, mentalité, la force vient d'Afrique. Pour eux, je suis marabouté. Rida Katine, cuisse de poulet, amable tas, personne n'a rien à prouver. Une de perdue, 10 de retrouver, 10 de retrouver. Et elle, elle veut revenir. Je sais pas si elle m'aime ou si elle s'accroche à ce qu'elle me voit devenir. Énervé comme à Kinshasa, la Lobby, la Lingala. Hey, chelou gamin, mais bon j'échappe comme à Guada. Tu pourras jamais dire awa. Hey, Luga Koba, elle a séché du Niagara. Elle va s'y mettre toute la noche. Anana, c'est Rome, Havana. J'veux les plages de Copacabana. Que les gens nous mettent. J'ai quitté l'école. Pour faire mes armes dans les rues de l'Essonne. À la recherche de folles et de sommes. À la recherche de folles et de sommes. Vida local, le barrio veut mi corazón. Como señor Django, 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 Django. Como, como señor Django, 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 Django. Como señor Django, 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 Django. Como, como señor Django, 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 Django. J'aimerais.
sur un rondout de double vrille, je viens de me casser, je viens de me faire une rupture des, du tendon d'Achille. Je vais montrer, c'est pas beau à voir. Mais bon, c'est la vie. Voilà. C'est la vie, blessure, blessure encore. Oui, je fais une rondade. Quand je fais le pied, ça c'est le talon d'Achille qui a sauté là, juste là. De l'autre côté, vous voyez, le talon d'Achille d'ici, on peut le toucher. Il y a un trou, c'est la merde. Ouais. Il faudrait être solide. Solide. Allez, c'est pas grave. Enfin, si, c'est grave. C'est grave. Putain. Je crois que le sport, je vais devoir arrêter le sport. C'est bon. Et ça me saoule. Ils m'ont abandonné dans une salle. Ça, c'est les chauves trucs là. Voilà. Aïe, en plus, j'ai trop mal. Ça me lance de ouf. Aïe. Appelez-moi docteur Fischel. En plus, d'autres patients ont laissé ça par terre. Ah là là, ça manque de professionnalisme, ça. Je vais la reprendre. Toi, je te prends avec moi. Oh my god. Oh putain, j'ai l'impression que j'ai fait du sport pour... Ah. Là, je suis bien, là, je suis allongé, là. Putain. Oh, regardez-moi ça, putain, c'est pas beau. Et ça fait mal. Voilà, je me suis installé tout seul. Toujours garder le sourire, c'est très important. Malgré tout ce qui peut vous arriver dans la vie. Blessure, comme moi, ou... Franchement, une rupture amoureuse, voilà, pour les filles qui vont regarder cette vidéo, ou les mecs aussi, clairement. Même, voilà, dans votre vie, chaque jour, c'est très important de garder le sourire. Voilà. Voilà, je verrai bien. Là, il est minuit passé. On verra bien à quelle heure on va mettre, on va s'occuper de moi. J'ai pas vu de médecin ni rien du tout, donc bon, je dirais bien que 6h du matin va m'arriver ici. Bref, bon, allez. Like a boss. Et c'est trop grave. J'ai une rupture du tendon d'Achille. Depuis plus d'une heure que je suis là.
J'ai pas vu de médecin, rien du tout. Il y a des gens qui s'arrivent après moi, ils ont déjà fait des radios, ils ont déjà... Attends. Pas péter, on va pas péter un scandale, mais... avoir une discussion avec... quelqu'un. Puis quelqu'un va passer. Écoute. Parce qu'à un moment, ça suffit, quoi. Bref, attendez. J'ai envie d'aller aux toilettes. Il faut se débrouiller par soi-même dans cet hôpital. Casser l'hôpital, mon pote. Wesh, c'est une toilette de dollars, vraiment. Wesh, mais imagine, t'as besoin de faire tous tes besoins. Ça te fait caca. Tu fais comment caca là? Papier de par terre. Bon, quand même, je vais pas vous montrer comment je pisse. Excusez-moi. Oui. Oui. Oh. Même pas. Juste un petit renseignement. Ben, ça fait... Avant de continuer, il faut savoir que la personne qui m'adresse la parole est le médecin qui est censé me prendre en charge pour pouvoir me faire faire les examens, m'envoyer faire ma radio, etc. Une heure que je suis là, déjà je me suis installé tout seul. Ben, j'ai mal à la cheville parce que, enfin, ça se trouve, j'ai une rupture du ligament. Oui, parce que le médecin s'occupe de vous. Elle est en train de voir qu'il va vous faire le plâtre, etc. D'accord, mais c'est normal que j'ai pas fait de radio ni rien du tout. J'ai vu personne. Vous n'avez pas fait un radio? J'ai rien fait, madame. Ah, vous n'avez pas fait un radio? Depuis que vous m'avez vu là, j'ai vu personne. Ça fait une heure déjà et que j'attends. Il y a pas un médecin qui vous a examiné? J'ai vu personne. D'accord, je vais voir ça. L'infirmière de garde vient s'en mêler et à partir de ce moment-là, tout commence à se gâter pour moi. J'ai perdu le gamin, ça y est. Ben, ça fait une heure que je suis là. Je me suis... C'est des urgences, il y a du monde, vous patientez, on viendra pour oui, vous. Oui, je sais, mais madame, voilà. J'ai mal, je me suis installé tout seul. On vient pas me voir, ni rien du tout, ça fait une heure. Donc, on vous a donné un antidouleur à l'accueil ou pas du tout? On m'a donné une antidouleur. C'est tout, vous patientez un peu, on arrive. Oui, d'accord, mais en fait, c'est je comprends monsieur, pas. Monsieur, j'ai pas le temps de discuter, on arrive. Non, mais c'est pas une question, vous avez pas le temps de discuter, je veux juste savoir j'ai comment ça se passe. J'ai pas d'ordre, on vous a fait la radio d'abord. Mais j'ai pas fait de radio, j'ai vu personne, madame. Bah, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Je viens de la radio maintenant, je viens de. Mais monsieur. Mais c'est parce que je m'inquiète. Ne vous inquiétez pas, vous êtes dans une salle d'urgence, on va pas vous faire. C'est bien ça, ça fait une heure que je suis. Monsieur, c'est les délais. Oui, heure. D'accord, donc vous trouvez ça normal que je m'installe tout seul, que j'ai mal et que personne s'occupe de moi. On vous a donné un antidouleur à l'accueil. Madame, ça fait trois fois que j'appelle, excusez-moi. Monsieur, j'ai vraiment pas le temps. Changez de métier, madame, alors. Non, parlez pas comme ça, parce que sinon les soins s'arrêtent là. Comment ça, les soins s'arrêtent là? C'est comme ça. Madame, je suis désolée s'il y a des gens qui sont mal. Non, vous patientez, monsieur, on vient vous voir une fois. Je peux pas oui, faire ça. Une fois, mais on est venu me voir zéro fois, madame. Je sais, mais c'est pas il y avait une tour. De vos collègues qui était c'est là. Elle m'a même pas posé question, ni rien du c'est tout. Pas elle est partie. Encore votre tour, monsieur, on arrive. Mais madame, je peux juste. Écoutez-moi, je vous parle calmement. Puis tout à l'heure, c'est vous qui vous avez levé le temps. Alors si vous n'êtes pas content, c'est votre problème, mon frère. Changez de métier. Si, je vais pas me taire. Vous allez faire quoi? Vous allez rien faire du tout, frère. N'importe quoi.
Crois faire ton taf, imbécile. Excellent. C'est excellent, c'est excellent. Au top. Personnel au top. C'est quoi ta chaîne? Excusez-moi, c'est vous qui sont, ouais. Que vous allez. Mais, alors... Monsieur Plessel, de toute façon, il n'y a pas le choix. Monsieur... C'est la chef, c'est le médecin, mais d'accord, mais je... Elle va vous voir, mais vous allez patienter en salle d'attente. Ça va prendre la tête avec. Mais je ne me suis pas pris la tête, c'est elle s'est pris la tête toute seule. Hop, attention à vous. Vous allez consulter. Oui, mais c'est comme je l'expliquais, ouais. Ça faisait une heure que je suis là, j'ai juste posé une seule question. J'ai demandé est-ce que c'est normal que je sois là. Mais demander. C'est un truc de ouf. C'est un truc de malade, ça. Non, c'est. Bon, j'ai fait ma radio après 3 heures à l'hôpital. Et c'est pas osseux. C'est bizarre, ma cheville, elle a grave gonflé, mon frère. Putain. J'espère que c'est relou. Bon, je m'y connais pas trop en médecine, mais bon. J'ai mal au talon d'Achille, mais on me fait une radio. Talon d'Achille, je crois que c'est musculaire et non osseux. Il me semble. Mais bon. Bah, j'ai mal, mais bon. Je veux pas que je me plaigne, bah, je dis rien. Là, juste quand je lève ma jambe, ça fait mal. Donc la douleur surtout là. Voilà, voilà, juste là. De ici jusque là. Donc est-ce qu'il y a une douleur là? Non. Là? Oui. Là, oui. Voilà, là ça me fait mal par contre. Alors. Là, ça me fait mal, attention. Là, ça me fait mal. Et c'est surtout le, vraiment là, ici, là. Voilà. Là, ça me fait mal. Aïe. Ok, je suis obligée. Je suis désolée. Là, ça me fait mal. D'accord, je vais voir. Là, ça, ah, là, je peux là. Voir l'autre pied pour comparer, s'il vous plaît. Donc, ailleurs, il n'y a aucune douleur. Ailleurs, c'est... Non, c'est vraiment de ce côté-là, là, ici, là. Et après, ça remonte jusque de l'autre côté. Ok, d'accord, je viens. Donc j'ai actuellement une rupture du tendon d'Achille de la jambe droite, donc qui veut dire que pendant un mois et demi je n'ai plus du tout le droit de poser le pied par terre, donc ce sera de la convalescence allongée, assis, et donc je ne peux pas du tout faire de sport. Suivi de ça, 8 mois sans vraiment faire de sport acrobatique, donc ça veut dire que je vais devoir me reconvertir. Et voilà, c'est très compliqué pour moi de vous dire ça, en tout cas, parce que je suis quelqu'un qui est très actif dans la vie
et ça va me poser un petit peu de soucis, mais vous inquiétez pas, je serai toujours présent sur YouTube et sur mes réseaux afin de vous montrer mon évolution et ce que je fais au quotidien, et j'espère que ça continuera à vous plaire. Vous allez avoir l'occasion de me revoir très vite à la télé, encore une fois pour une nouvelle émission, une nouvelle expérience pour moi. J'espère donc que vous serez très actifs sur mes réseaux. Et je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Vous pouvez me retrouver sur Snapchat, sur Instagram. Et surtout, n'oubliez surtout pas de me suivre sur la chaîne YouTube qui est juste là. Vous activez la petite cloche et dès que je sors une vidéo, vous serez prévenu en notification. Sur ce, à bientôt et on se voit pour une nouvelle vidéo.